Bonjour, c'est Chem et Michel Bénédic. Bonjour tout le monde. Confiné, donc à notre domicile ici à Boulary. Alors nous, on est, comme vous le savez, Michel, il est musicien, organiste de jazz, et moi, je suis chanteuse de blues. Alors, comment se passe notre période de confinement? Comment est-ce que nous, est-ce qu'on vit? Alors, toi, Michel? Ben moi, j'occupe mon temps à composer. Hein, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Je viens de composer un tout nouveau morceau. Il y en a un deuxième en préparation. Voir un troisième qui arrive. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas composé. Ça faisait au moins un an ou deux ans, je crois. Je m'intéresse aussi beaucoup aux plantes. Et donc, je concocte des cocktails pour la santé à base de plantes papayées, bananiers, alpinia, etc. Voilà les activités principales. Quant à moi, bien, comment est-ce que j'occupe cette période? Je m'occupe de ma fille qui est collégienne, donc on se lève, on fait le travail, on fait la cuisine ensemble aussi, pas mal, ça a été l'occasion de se remettre un peu à cuisiner tous ensemble. Et puis petit à petit, j'ai aussi recommencé à dessiner, je me suis remise au dessin. On essaie d'occuper le temps un maximum, je pense que c'est le bon moment pour se réorienter, pour retourner vers des choses peut-être qu'on n'avait pas forcément le temps de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très sérieux dans notre confinement, on est sorti très peu, uniquement pour faire des courses effectivement, et c'est le conseil qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est franchement respecter ce confinement. Oui, tout à fait, c'est vraiment très 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 important. C'est une question de vie ou de mort, on peut dire, parce que ça comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut respecter. On a peut-être envie, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on veut sortir, non. Et il faut respecter la santé publique. Voilà, donc à tous, on vous souhaite une bonne période de confinement aussi. Bon courage. Bon courage à tous. Et puis, faites comme nous, essayez peut-être de repartir vers des choses qui vous passionnent. Qui vous passionnent et des choses créatives. Au revoir tout le monde.